On va parler emploi et des emplois bien spécifiques, bien particuliers, puisqu'il s'agit de trouver des personnes pour travailler à la nouvelle prison de Harrod, hein, où l'on sait que les premiers détenus sont arrivés. Une prison toute moderne qui va demander des compétences peut-être différentes que les compétences des gardiens de prison actuels qui travaillaient à Forêt ou à Saint-Gilles. 173 jobs sont à pourvoir. On en parle avec Yann Gatz, porte-parole d'Actiris. Bonjour, merci d'être notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est Actiris qui est chargé d'organiser cette campagne de recrutement et qu'un Job Day est organisé demain. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont inscrites à ce Job Day ? Oui, quand même. Donc, on cherche au total 170 personnes. Et donc, c'est le SPF Justice qui est à la manœuvre, qui nous a contactés pour trouver des candidats. Et nous avons contacté toutes les chercheurs d'emploi qui rentraient dans les conditions. Et des 350 CV que nous avons reçus, puis analyser, on les a tous contactés. On a quand même retenu 120 candidats qu'on a invités pour demain. Donc voilà, on espère que ce sera un grand succès demain. Donc 120 personnes pour un petit peu plus de 170 jobs. Ça veut dire qu'après le Job Day, il restera encore des places vacantes. Effectivement. Mais c'est souvent le cas avec les Job Day. On en a quand même récemment encore organisé pour le secteur des hôtels, par exemple, ou pour le Westland Shopping Center. Donc, avoir un 100%, c'est quand même très rare. Mais voilà, 120 personnes pour 170 places, on espère quand même avoir quelques dizaines de personnes qui vont jusqu'au bout du processus de recrutement et qui vont décrocher, qui vont finir par décrocher un emploi. Et nous, on a du mal à visualiser si 350 CV reçus, c'est beaucoup pour ce genre de poste. Vous savez nous dire si vous avez l'impression qu'il y a un engouement, si justement le fait que ce soit de travailler dans une prison et peut-être les compétences qui sont requises sont un frein? Non, quand même, c'est beaucoup, 350 pour 170 emplois. Et même en général, pour les Job Day, on a vu que parmi les chercheurs d'emploi, il y avait quand même un grand intérêt. Il y a quelques conditions d'accès qui font que c'est pas pour tout le monde. Donc il faut le diplôme de secondaire supérieur, ce que tous les chercheurs d'emploi n'ont pas. Il faut avoir la nationalité belge ou Schengen, ce qui est quand même plus souvent le cas. Il faut le certificat de bonne vie et mœurs. Et il faut très bien parler néerlandais ou le français, ce qui est parfois quand même un souci aussi, mais on peut les soutenir avec des cours de langue gratuits pour voilà, pour remédier à cela. Mais voilà, je répète, on est quand même content d'avoir 120 personnes finalement pour demain qu'on va inviter et qui vont voilà découvrir le village pénitentiaire. C'est pas une prison classique, c'est quand même un grand projet avec des unités séparées. C'est pas une prison classique avec un couloir et toutes les cellules donnent sur le même couloir. Voilà, donc on espère que les rencontres de demain donneront un bon résultat et finalement beaucoup de personnes qui vont décrocher un emploi. Alors de nombreuses personnes, de nombreux postes aussi différents à pourvoir, parce que quand on imagine travailler dans une prison, on imagine des gardiens, des agents pénitentiaires. Il n'y a pas que ça, mais c'est tout de même des agents pénitentiaires que vous recherchez en majorité ? Oui, donc il s'agit de 120 accompagnateurs de détention, puisqu'ils ont un peu, l'SPF Justice a décidé de scinder en deux la fonction de gardien, la fonction classique. Donc il y a des accompagnateurs de détention ont plus d'attention pour l'humain, pour le relationnel, donc ils vont vraiment accompagner les détenus. Et puis on recherche aussi 52 agents de sécurité et ces personnes-là vont plus s'occuper des caméras, des portes, des procédures de sécurité. Alors on a bien entendu quelles étaient vraiment les conditions de base pour pouvoir se présenter. Là maintenant, quand vous allez rencontrer les candidats, quelles sont les compétences ou les caractéristiques qu'il faut avoir pour correspondre à la recherche? Spécifiquement pour l'accompagnateur de détention qui est là, où il y a le plus de postes à pourvoir. L'SPF Justice cherche surtout des personnes qui sont très forts dans tout ce qui est le relationnel, donc qui font preuve de beaucoup d'empathie, qui comprennent comment voilà, cette vie en détention dans de petites unités, donc des groupes voilà, qui peuvent très bien comprendre comment ça se passe, donc qui sont un peu doués pour tout cela. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir demain, donc ceux qui ont du talent pour cela et qui ont envie de se lancer dans un job. Voilà, C'est ça que vous allez jauger lors des entretiens. Oui, effectivement. Oui.
Alors, vous nous parliez de, non d'une prison, mais d'un village pénitentiaire ultramoderne. C'est pas vous qui le décrivez comme ça. Je m'en doute. On a d'ailleurs un de nos journalistes, estimé collègue Michel Gaillard, qui a pu se rendre compte sur place que tout était électronique, automatisé. Il a eu du mal à ressortir après avoir visité la prison pour un reportage. Est-ce que, du coup, le fait que ce soit un village pénitentiaire moderne amène aussi à de nouvelles compétences et de nouveaux jobs technologiques dans une prison ? Je ne connais pas les emplois en détail, donc les descriptions de fonctions, mais en tout cas, ils ont scindé en deux donc cette fonction classique de gardien, qui était la même pour tout le monde, hein, donc tout le monde faisait le même job au sein de la prison. Donc ici, on a quand même essayé d'un peu plus spécialiser et de chercher des profils aussi un peu plus spécifiques pour ceux qui vont accompagner les détenus. Il faut vraiment être empathique, comme je disais, donc avoir ce feeling un peu pour comment cette personne réagit quand il y a un peu de tension, comment cette personne réagit dans un grand groupe, dans un petit groupe, et comment est-ce qu'on peut finalement l'accompagner pour aller la pré-prison et pour la réintégration dans la société. Et ces personnes-là qui vont devoir justement avoir cet aspect psychologique important, est-ce que dans les candidats que vous avez retenus pour le job day, il y a un background, il y a une origine, il y a des études où il y a des formations qui reviennent assez régulièrement, des gens qui étaient plus en contact avec d'autres personnes dans d'autres secteurs ? Donc ça, c'est l'étape de demain. Donc on a analysé sur base du CV, et si les conditions de base étaient remplies. Et donc ça, c'est l'étape de demain. Donc la sélection se continue. Donc on vient de 350 personnes et on a un peu analysé les bonnes qualités, les conditions. Mais donc le processus va continuer demain et voilà, on espère qu'il y aura quand même quelques dizaines de personnes qui vont finir par travailler dans c'est le pas village. C'est beaucoup, une dizaine. Quelques dizaines. Et donc ça, c'est la première étape, le job day, mais après, il y a d'autres étapes pour les candidats qui seraient retenus lors du job day. Donc il y aura deux épreuves. Donc il y aura une épreuve un peu généralisée et puis des entretiens. Et donc demain, c'est la première rencontre. Donc ils vont découvrir leurs peut-être futurs collègues de la prison. Ils vont découvrir le site aussi. Et puis, s'ils veulent continuer dans le processus. Le contact avec les détenus également pendant le job day ou non ? Non, demain non, je crois que non. Donc là, la prison est ouverte à 20% plus ou moins de capacité. Donc je crois que c'est pas prévu pour demain. Et justement, un mot pour l'organisation de la journée de demain, parce que vous nous l'avez dit, des job days, vous en organisez plusieurs par an, notamment pour des centres commerciaux. Là, c'est une prison tout de même, en termes de logistique et d'organisation, ça change quelque chose ? Oui, donc c'est très particulier, on l'a pas encore fait, mais il faut le dire que l'aspect justice nous accueille en fait dans la prison, donc c'est eux qui vont s'occuper de la procédure de la journée, et nous on s'est vraiment occupé du recrutement, donc on a fait le boulot de A à Z, et c'est ce qu'on propose à tous les employeurs qui ont plus de 10 offres d'emploi ou de 10 postes plutôt à pourvoir en un seul coup. Donc je dirais à tous les employeurs qui nous écoutent, si vous avez plus de 10 postes à remplir, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, l'appel est lancé. Merci à Yann Gatz. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Actiris. Merci d'avoir été notre invité ce midi.